Eh bien salut tout le monde, c'est Wave Story Gaming et aujourd'hui on se retrouve pour le 13e épisode de Mad Max. Alors dans le dernier épisode je cherchais à délivrer ce petit esclave, mais le problème c'est que je n'avais pas la baramine et je l'avais trouvé à la fin de l'épisode, juste dans l'inventaire de Max. dans ses outils, il fallait juste l'acheter à 44 44 ferrailles. Donc c'est parti. Get yourself to Jade's lighthouse. They're waiting for you. Righto, I'm going now. C'est parti. Mission des terres désolées terminée. Soif de poudre. Blascap a été libéré. Il va maintenant rejoindre Jit. Avec son aide, Jit pourra fabriquer de la poudre. Nickel. Projet armurerie disponible. Ok. Donc du coup on va retourner voir notre ami Jit. Une nouvelle mission de terre désolée est disponible. Ouais. Je passais par en bas. Alors, ils disent toujours 5 en ferraille, 5 sur 6 de découvert, mais j'ai fait tout le tour de la mine et je n'ai pas trouvé le sixième. Bon, on fera tant pis, on fera 100. C'est parti. La caisse. Ah, c'est quoi ce projet d'ailleurs? Il y a un endroit à faire là? Un projet à construire? Bon, on va te parler à toi. We know how to cook that powder, but we don't have the makings. We got coal, but sulfur? We got to recon a source for that. And then, something that we can't mine. Salty peat. Gotta farm that. Grows in pissing on corpses. You gotta find sulfur in peat. No,
I bring you the prisoner, you get me ammo. That's the deal. Take these! It's all I got. You need more, you get me more. Putain, mais il a pas de parole, le type. Jit a besoin de salpêtre et de soufre pour fabriquer plus de poudre et commencer et commercer avec Gudgash. Le salpêtre se trouve sur des cadavres, le soufre dans des cheminées volcaniques, localisées et marquées des sources de chaque élément. C'est parti. My scouts report two sites of battle that might have bodies. I'll mark anything I find with red flares. Alors, trouver et marquer la première source de salpêtre. Trouver et marquer la cheminée. Okay. Attends, faut que je la trouve. C'est une blague. Ah non, ils sont là. La une. La une là. La deuxième elle est là. La troisième elle est où? Et là. Bon, on va commencer par ça. Et du coup, vu que je vais là, j'en profite pour aller dans un poste d'observation. Hop, c'est parti. Alors du coup, je peux aller sur ce poste-là. Faire un déplacement rapide. Dans le live, donc là je fais que l'histoire et je ferai un live sur Twitch, sur ma chaîne Twitch, où je ferai les suites de la quête, enfin toutes les autres quêtes à faire, que ce soit découverte, tout ça quoi. Comment on fait pour accéder à cette montgolfière? Requis explosion. Évidemment. C'est le seul jerrycan que j'ai sûrement en plus. Saute. Merde.
plus comment on saute, quoi. Ok, comme ça. C'est vrai. Nickel, il y a de la ferraille et de la bouffe. Oh, trop cool. Moi, j'ai un... Ah non, c'est dégueulasse. J'ai un trophée juste pour ça. Répugnant, le mec, quoi. Allez, c'est parti. On va voir la zone. Les gorges de sable. J'ai... Alors, au loin, il y a une forteresse. C'est la forteresse de Gus Machin. Il y a un sniper et voilà. Et si il y a une station, je sais pas quoi. Et ça. Course à la mort. Ok. Ça marche. Bon, et bien on va aller ici pour après aller ici pour aller ici pour aller ici et aller ici. Ouais, c'est ça. Donc on va descendre. Je suis presque à la moitié en gasoil. Il faudra que je retrouve un jerrycan, que je fasse le plein, que j'en mette un dans le coffre au cas où il faut exploser quelque chose. Et voilà. Là, je risque de crever, je pense. C'est quoi ça? Oh, une relique. Super. Heureusement, j'ai pu imprimer ça avant que le réseau tombe en panne. Je sens encore cette bonne odeur de viande. Je me demande si la bière et les barbecues reviendront un jour. Ouais, c'est... The smell of barbecue and meat is everywhere. But not the kind you want to eat. Ok, je vois, je me suis fait mal. J'ai où là? Ouais, c'est là qu'il faut aller. Les ennemis. Oh, look, that smoke. Must be what Jake talked about. This wasn't a battle. This was a slaughter. These roadkill are cut to pieces. Better mark this. Need to find the other one. Ok, donc ça, c'est fait. Y a pas quelque chose à fouiller ici? Tiens. Pendant que j'y suis, je vais prendre la ferraille. Hop. Qui nous en fait 265. On s'y approche des 300. Il en reste encore 31. Here, here, right here. Philip.
Maintenant qu'on a pris ça, je vais faire. Donc je vais aller à cette montgolfière là. Je vais faire un déplacement rapide. Pour éviter de prendre la route. Puisque le chargement durera moins longtemps que le trajet, je pense. Et on va. Voilà. On va aller monter sur l'autre montgolfière pour déverrouiller cette zone. Voilà mon golfier au loin. On s'y approche. Reflex, scope, long shot. Alors. I'll keep an eye on her. Oh non. Oh non. Je n'ai pas de baril. Aïe. Là, ça craint. Parce qu'on n'en a plus, et non. Les bâtons de feu est une arme explosive. Bah voilà. Tout simplement. Pas besoin de bidon au final. Ah, une petite relique qui nous dit maman. Je sais que tu ne veux rien avoir à faire avec nous, mais notre petite Brienne voudrait connaître sa grand-mère. On t'aime, Janet et Skylar. I had something, but now it's gone. It's gone no matter how much they loved or hated or bigoted. C'est relié à ça. Trouvez et remplissez. Ok, attends. Tac. Interagir. Oh merde. Alors, on faut descendre là. Pas sérieux. J'ai pas compris. Je dois faire quoi là? J'ai pas tout cap. Ah oui donc, je crois comprendre. Et le bidon, on remplit. Tout simplement. D'accord. Et on monte dans le ballon.
Ok. Il y a pas mal d'épouvantails ici, c'est un peu protégé. Donc on va aller ici. Hop. Mais les amis, on va y aller dans le prochain épisode. Parce qu'il est temps pour moi de vous laisser. Alors on se retrouvera pour le 14e épisode de Mad Max. Alors sur ce, restez connectés. Et à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.